Alors Guillaume, à part votre femme, de quoi vous parle-t-on le plus souvent? Ben, d'Amélie Poulain. D'Amélie Poulain. À part votre femme, quelle est la plus belle femme du monde? Ah, ben, c'est tous les personnages qu'elle interprète. Je suis mais vraiment amoureux d'elle, sous toutes les formes. Ah, il est génial. À part votre femme, qui vous a fait le plus beau cadeau de votre vie? Ah ben alors, je dirais quand même Jean-Pierre Jeunet, en ouvrant sa boîte à lettres. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui n'ouvrent pas leur boîte à lettres. Ouais. Et il ne l'aurait pas ouvert, je ne serais pas là ce soir. À part votre femme, qui vous a excité récemment? Personne. Ah! À part votre femme, qui vous prend la tête parfois? Ah ben moi-même, alors... Ouais. À part votre femme, qu'avez-vous fait de mieux dans la vie? Écrire, je crois que c'est vraiment la chance de ma vie aussi. Ouais. Que ça me soit tombé dessus un peu accidentellement, c'est vraiment la chance de ma vie. À part votre femme, de qui écoutez-vous les jugements sur votre travail? De tout le monde. À part votre femme, qu'est-ce que vous ne voudriez surtout pas me prêter? Ni ma fille, ni ma belle-fille, ni... Ouais. Mais de l'argent, par exemple, sans problème. Ah oui. À part votre femme, qu'avez-vous de plus cher dans la vie? Ma fille. À part votre femme, de quoi pourrait-on parler ce soir? De tout, et même d'elle. Non, mais vous savez, ici, c'est pas le genre de la maison, on est très... Je sais bien. Guillaume Laurent, ça s'appelle La Viande, et c'est publié au Seuil, mesdames, messieurs.